Salut à tous, c'est Quency et j'ai le plaisir de vous retrouver sur City of Gangsters pour la suite de notre partie. Toujours à New York, toujours en train de se développer. On est en train de finir de construire notre petite salle de jeu. Il va mettre un certain temps à arriver, j'imagine. Pourquoi je peux pas la sélectionner? Parce qu'elle est là. En construction, donc dans 3 tours, elle va arriver. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. C'est la première fois que j'en fais une, donc on va bien voir ce que ça rapporte. Et on est en train de faire pas mal de choses. Alors, merci, un grand merci au viewer qui m'a recommandé de cliquer sur ce bouton que je ne soupçonnais pas l'existence. Qui permet de... Et ben voir plein de choses en fait. Ça permet de voir genre les compétences que l'on a, les compétences qui sont disponibles. Et en l'occurrence, c'est que des constructions de garage, donc on s'en fout. Ça permet aussi de voir la liste de recrues qu'on peut avoir. Et ça peut être très très bien la prochaine fois qu'on veut recruter quelqu'un. Ce sera beaucoup plus simple. Ça permet aussi de voir qu'on peut s'agrandir. Donc on va aller faire ça. Si vous regardez en bas, voilà. Le café Capricorne. Il veut bien s'agrandir sur deux coins de rue. Donc toi, t'es là. Est-ce que t'as fini ton tour, toi? Oui. Scarface Russo, ouais, ça va être trop. Pas assez. Et toi? Pas assez non plus. Russo, t'as quoi sur toi? T'as pas grand-chose. Alors, on va faire le tour de nos... Notre organisation, il y a des spécialistes. Alors les spécialistes, ça arrivera plus tard. Ça faisait partie d'un des comment. Faut qu'on ait des capitaines. Pour l'instant, on a que des brutes, des capitaines. Faudrait que je regarde exactement comment ça marche. Je ne suis pas certain. Dans. Bon, ça se voit pas. D'accord. Alors. Argent en main, on a 3000, mais alors est-ce que... Qu'est-ce que ça donne ici? Parce que c'était la raison aussi pour laquelle... elle s'était fait dégager... Non, elle s'était fait dégager de son poste, c'est parce qu'il n'y avait plus de sous. Donc là, on a 730, c'est bien. Toi, t'as 100, c'est suffisant. Ouais, il y a 500, ça va être suffisant aussi pour l'instant. Nombre de clients occasionnels de ce quartier que les jeux à faible mise pourraient intéresser. Donc on verra ce que ça donne hein, plus tard. Bien évidemment. Jusque là, c'est bon. On est en train de faire des missions. On va passer au tour suivant. Hop. Alors. C'est bien ça, parce que du coup, toi... Parlons un peu de notre arrangement. Non, c'est pas ça. Café Russo. Bah alors. C'était pas là ? Café Capricorne. Ah non, c'est celui-là, d'accord. Toi, t'as quoi sur toi? T'as pas grand-chose. Moins générer moins 2 de l'arrêté local. Limitation de vitesse dans les rues. Ça, c'est chiant, ça. Mais du coup, est-ce qu'on pourrait te récupérer un peu de cidre? J'imagine que oui. On va aller faire un petit tour avec du cidre. Ça, par contre, ça ne change rien. Filtre d'information, non. Le cidre, je te vends toujours au même endroit. Donc, on va aller là. Hop. J'en ai dans la bagnole. On veut que 5. C'est pas fameux. Elle est là. Tout ça dans la bagnole aussi. Tu as quoi dans ta bagnole? 4 d'absinthe et une bière derrière boutique. C'est parfait. Hop. Absinthe. J'en ai dans la bagnole. On va 47 caisses au maximum. Vache. On va se faire des bolos en or. Voilà. Donc ça c'est fait. Toi t'as fini avec ça. T'as fini avec ça. Du coup est-ce que je pourrais t'envoyer
Là, ouais, ça marche, nickel. Comment va notre... Parlons d'agrandissement. Bonne idée. Payer 8. Voilà, donc eux, ils s'agrandissent. Est-ce que je peux en agrandir un autre d'un coup? Je sais plus si on peut en faire que un à la fois ou non. Bon, on pourrait te parler ici du coup. C'est comme si c'était fait. Voilà, eh ben, c'est nickel. Du coup, t'as combien sur toi? T'as 1800. On va déposer un peu d'argent ici. Il faudra plus de recrues aussi. On m'a informé qu'il fallait plus de recrues pour avoir de meilleures armes avec la police. Ça va arriver. Pour l'instant, ça sert pas à avoir... Alors, je sais qu'il faut plus de recrues. D'ailleurs, à partir de 5 recrues, normalement, je peux avoir des Thompson avec... Est-ce que je peux avoir une Thompson? Est-ce que t'as quoi, toi, comme... une carabine Winchester. Il faudrait qu'on parle à la police. Il paraît qu'à 5 recrues, on peut avoir une Thompson, qui est la meilleure arme du jeu. La meilleure arme du jeu, pardon. Donc, oui. J'aime autant. 2 bottes de baseball et 500... Alors, où est-ce qu'on peut acheter des battes de baseball? Je sais qu'on peut en acheter pas loin. Là-bas. Là. C'est loin. Tant pis. Et ben toi, tu vas aller... Là. Ça marche. Toi, tu vas aller là. Donc toi, t'avais du cidre qu'on va donc envoyer... c'est pas là, du coup. Le cidre, il va être plus là-bas. Tu vas passer par là. Ok, qu'est-ce qu'il faut qu'on te fasse faire? Concentré de raisin, pour l'instant. Livrer 15 de bois, plus 15 petits tonneaux et 15 et 5 briques. C'est quoi? On va aller chercher des petits tonneaux. Il me semble qu'il y en a ici, voilà. J'ai pas de sous. Donc on va aller chercher des sous d'abord. On va aller chercher des sous d'abord. Puis on va aller chercher des petits tonneaux. Je t'écoute. Ah oui, alors... Pourquoi ne pas patronner notre prochaine fête de quartier si vous êtes... Bon, allez, on va lui faire sa mission à lui, parce que sinon, ils vont nous emmerder encore pendant 15 ans avec leur même mission. Tu veux pas faire des affaires avec des gens de notre espèce? Bah ouais. Et je les achète où, moi, mes petits tonneaux? Enfin, je les achète là-bas, du coup. Ah, toi, tu veux du bois et des petits tonneaux. Donc, il m'en faut 15, je vais pas pouvoir en acheter 15 direct. On va en acheter 9 pour envoyer ici. D'accord, ça ira par là. Et on a fini pour ce tour. Oui. Suivant. Ça, oui. Toi, t'es toujours demain jusqu'au 27 août. Va falloir aller chercher. Va falloir payer encore. Va falloir payer encore alors que mon casque me dit tut tut tut, il n'y a plus de batterie. C'est génial, c'est à chaque fois que j'en ai besoin, il n'y a plus de batterie. Donc il va falloir que je rebranche vite fait le truc. Voilà. Du coup, vous avez entendu le poum 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 du casque qui se branche. Toi. Non, c'est pas exactement ça. Comment va notre commerce de façade? Financement local, t'as 68. Allez, je collecte. Par contre, ce que j'aimerais bien, c'est te refiler des petits tonneaux. Ça paye pour les tonneaux, donc autant faire ça. On va récupérer... C'était quoi? C'était là aussi. Le reste de petits tonneaux. Je vais vous en prendre. Hop, 6. Il faut 4 de bois aussi. Donc je vais prendre ce que je peux. Là c'est 1. Hop, on va revenir ici. J'ai ce que vous attendiez.
Les petites... C'était pas du bois, c'était des briques. Voilà. C'est génial. Le bois est pas perdu, hein. Ça sert à faire de la construction à droite à gauche. Mais du coup, les petites briques... Où est-ce que ça s'achète? Pas loin, j'imagine. Ah, quand même. Non, mais c'est parce que je les ai pas sélectionnés, mais voilà. Oui, c'est bien ce que je pensais. Pas loin. À côté, ici, on en a... Voilà. Ça, c'est des petits tonneaux. Tu vends les petits tonneaux. On fait des gros tonneaux, mais on fait pas de... On vend pas de... Enfin, on fait... On produit des gros tonneaux, mais on peut pas les vendre. Parce que ça... Acheter... je vais vous en prendre 4. Parfait. Bien ça, hein. Ou il en faut 5. Il en faut 5. Évidemment, il en faut 5. Sinon, c'est pas drôle. Alors, toi, tu vas nous acheter une petite batte de baseball. Il en faut même 2. Seulement 10. Oh là là, c'est simple. Ici, d'accord. Donc, on va t'amener. Merci le téléphone. On va t'amener là. Donc les recrues, pour l'instant, je vous l'ai dit, hein, ça sert pas à grand chose, grand chose. Ça ne sert pas à grand chose, grand chose. Vu que on n'a pas forcément plus de camions, ça sert pas forcément. On n'a pas besoin de faire forcément plus de livraisons. Donc bon, là pour l'instant. On est bien. Ça fait bien. Va falloir qu'on fasse du site pétillant bientôt. Venir jusqu'ici. Tu auras cette. Ouais. Tu auras cette truc pour te barrer. J'en ai dans la bagnole. T'en veux 8. C'est bien. Où est-ce que je suis là? Mais on va peut-être pas aller là. On va se diriger vers là. Je peux d'ailleurs vendre. Directement. Donc, tant mieux. Toi, tu veux les 27 pots. C'est cool. Comment on est au niveau de la production? Attends, c'est des petits tonneaux qu'on fait ou c'est des grands tonneaux? Non, en fait, on produit des petits tonneaux tous les 5 tours. D'accord, donc c'est vraiment des petits tonneaux. Je vois pas pourquoi j'en achète, alors. Parce que là, on en a 11. Voilà, c'est bien. La production 8 et 40. On en a 48, on en a 16. On va faire le prochain tour, mais pas après. Toi, il te reste pas de déplacement, pas de déplacement, pas de déplacement. Donc, hop, on passe au prochain tour. Cette installation a été construite dans votre maison de machine à sous. Voilà, donc ça va commencer. Argent disponible nécessaire. Bah ouais, mais lui, il a pris son petit... Alors... Qu'est-ce que vous attendiez? Non, je vais pas livrer tout ça. J'ai ce que vous attendiez. Voilà, on va livrer les 2 articles, ça marche. J'ai ce que vous attendiez, on va livrer les 500. Regardez ça, une caisse de cette bonne levure dont on parlait a fini devant ma porte hier soir. Quelle coïncidence, améliorer votre relation, obtenez la compétence levure de qualité supérieure. De qualité supérieure, c'est-à-dire certaines entreprises dans la ville que vous contrôlez utilisent d'excellentes souffles. Vous avez mis la main sur une réserve, il faut maintenant juste quelques pièces d'équipement spécial pour réduire la durée de fabrication de l'alcool. Enfin, je regarde ce que ça donne, mais tant mieux. Est-ce que je peux faire ça ici? Levure de qualité 400. Commencez à utiliser de la levure de pain de qualité supérieure. Il vous faut juste de l'argent. Alors qu'est-ce que ça donne exactement? Je ne sais pas. Je ferais peut-être ça pour... si c'est pour faire ça plus rapide, je ferais ça sur de la bière pétillante. Ça sera mieux quand même. 32 seulement. Ouf. T'as combien sur toi là? Toi, t'as 500.
On va aller à la salle de jeu. Ok, elle fonctionne cette salle de jeu. Voilà, transférer de l'argent. On va leur mettre 100 pour que ça fonctionne. Attirer clients occasionnels en train de jouer 50 personnes, nombre max 50 personnes. Partage actuellement 72 clients potentiels avec une autre installation à faible mise. Ouais. On va voir ce que ça donne. Profit aux pertes au dernier tour. Café Capricorne. Donc ça c'est eux. Eux c'est 1500 balles. Problème de quartier c'est 500 ici. Ils voudraient 500. Faudrait qu'on les... Quoi déjà, on va aller chercher des briques. Qui sont ici. J'ai déjà... Est-ce que je t'ai déjà... Ce que vous attendiez, on va livrer les 4 caisses de briques, ce sera mieux. Oui, on va aller. Bah oui, c'est bien. C'est marqué dessus. On va acheter. Je vais vous en prendre. Je t'en prends une seule par contre. Pas besoin d'en prendre plus que ça. Hop. Juste ce que vous attendiez. Une brique. Voilà. Alors. Construction de garage. Alors ça, ce serait bien. Ça, ce serait bien aussi. Mais ça, comme ça, on l'aura. On évitera de nous la proposer par la suite. On a découvert une nouvelle ressource. Construction de garage. Le but étant de se développer, hein, je vous le rappelle. Donc toi, c'est fait. Toi, c'est fait. T'as pas grand-chose à faire. Si, il nous faut des pots. Parce que ici, ça va pas le faire avec les pots. Voilà, il n'y a plus assez de pots. Toi, t'as assez de thunes pour acheter des pots. Est-ce que tu vends des pots? On vend seulement 10. On en acheter 10. Où est-ce qu'il y en a d'autres? Il y en a ici aussi. Je peux plus bouger, c'est bien. Voilà, t'as 4 déplacer encore un petit peu. Pots en grès. Hop. On va aller là. On va déposer ces pots en grès ici. Toi, tu produis des pots et de la canne à sucre. Alors, la canne à sucre, on va s'en débarrasser pour l'instant. Y a pas mal de bières artisanales. Donc, on va faire un petit tour avec la bière artisanale. Mais avant ça, on va récupérer 39 pots ici. C'est pas mal. On va mettre ici. Donc, ça, ça va. Plus elle qui va arriver avec ses autres pots derrière, ça devrait aller. Il y a énormément de cidre, mais c'est pas grave. Par contre, on va faire de la bière. Hop, 39 de bière. Je peux plus revenir ici, c'est pas grave. Ça va arriver. Toi, toi, t'as plus rien sur toi, mais t'as de la thune. Tu vas venir ici. Voilà, donc on a amélioré les faveurs avec toi. Ça c'est bon. Eux ils sont toujours en train de faire notre... Est-ce qu'on peut s'améliorer, s'agrandir encore un petit peu plus? Café Capricorne. C'est là. Du coup, attends, comment va notre domaine de façade? Non. Pourquoi on peut pas s'améliorer? Parce que j'ai une mission avec toi, c'est ça? Peut-être. Donc on va oublier ça pour l'instant. Donc, tout ça, ça va. Toi, il te reste 600 sur toi. Où est-ce que je pourrais lâcher un peu de moula? Bah, pas beaucoup d'endroits, en fait. Les petits tonneaux, on les prendra quand ils seront prêts. Là, c'est bon. Là, on a 15 de bois. On pourrait aller chercher du bois.
Exactement. Il y en a là aussi. Je t'écoute. Source régulière d'alcool neutre. J'en ai pas besoin pour l'instant. Parlons achat et vente. Je veux du bois. On va prendre que 5 à la fois. 150. Ah ouais, quand même. 150 plus. En plus, faut te payer 500 derrière. Oula. Cher toi. Donc c'est fait. On a tout le monde est bon. Donc on avance. Un petit tour. Et alors, qu'est-ce que ça donne ? J'ai vraiment envie de savoir ce que ça donne, ça. On a gagné 98 centimes. Pas ouf, hein. Bénéfice au tour précédent, 98 centimes. Ouais, c'est pas ouf. Mais on verra. Lui, il va prendre de l'expérience et puis ça va avancer petit à petit. Quand ça monte petit à petit comme ça. Si c'est un truc qu'on laisse tourner en fond. Bon, je m'attendais pas à ce que ça pète le jeu non plus. Faut être honnête. Ça aurait été un peu trop violent. Mais voilà, 17 pots au maximum. On commence à faire un peu d'argent. Du coup, on va se recharger direct. On va se recharger direct. On va aller. On en profite pendant que la police est de notre côté. 21. Voilà. Toi, on va t'amener là. On va t'amener là. De la bière artisanale, ça fait un. Ouais, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas vendu en fait, c'est pour ça. On va revenir là et on va recharger la camionnette. C'est pas une camionnette, mais on va la recharger quand même. Voilà. Toi, j'ai ce que vous attendiez. J'en ai 5, ça marche. Il va falloir que j'en récupère d'autres. T'en veux 15, c'est ça. Ah, ça coûte cher ces conneries. Tiens, et puis ça avance pas vite. Toi, t'as plus que deux déplacements. Où est-ce que je peux aller avec deux? Deux. Oh, on peut même aller là. C'est parfait. Bien artisanal. Boum, 33 pots. Oh là là. Ce qu'on vient de se faire en thune, là. 1000 balles direct. Boum, allez. Comme ça, on est tranquille. Toi, t'étais censé faire quoi? Oui, t'étais censé amener quelques pots ici. Sachant qu'on veut assez rapidement mettre en place notre fabrique de jus de pomme. Fabrique de jus de pomme, pressoir à jus de pomme, voilà. Donc ça c'est 750, 5 tuyaux, 25 petits tonneaux. Et 6 briques. On va commencer, on pourrait commencer à aller chercher ça. Et après, ça va nous amener des petits tonneaux, et enfin des petits tonneaux pour voir du jus de pomme. Alors c'est soit on fait ça, soit on fait la canne à sucre doit être utile. Soit on fait directement avec les pommes, mais ça coûte très cher. 2000. Après des fûts. Barils en acier. Est-ce que je peux déjà en avoir des barils en acier avant qu'on. Il y en a là. Il y en a là aussi. Il y en a là. Il y en a là. D'accord. Bon. C'est faisable. Par contre, il va me falloir un camion, j'imagine. Sinon, ça va pas être tip-top. Sinon, ouais, ça risque d'être un peu violent. Alors, toi, on refait un tour avec ça? Peut-être pas. Jusque-là, j'ai pas de problème. On est en train d'agrandir à deux endroits. Qu'est-ce que... Ouais, le jus de pomme. Hein. Je pense qu'on va faire du jus de pomme dans un premier temps. Parce que l'autre, ça coûte cher, quand même. Ça permettrait de gagner plus d'argent. C'est ça, le truc, en fait. C'est que si on regarde ici,
Si je fais du jus de pomme, je peux pas le vendre. Enfin, je peux pas le vendre. Je peux le vendre, mais ça sert pas à grand chose. Alors que si on commence à faire de ça, c'est quand même pas mal. Donc je pense que toi, tu vas commencer à aller me chercher 8 briques et 4 tuyaux. Et alors, dans le coin ici, ou dans le coin ici, on va se mettre ici, ce sera mieux. D'accord. Donc alors, les briques, je sais où c'est. On va aller là. Les briques. Alors, on va parler du prix parce que. Ouais, me faire un petit geste quand même. Voilà. Ça coûte un peu cher, mine de rien. Sachant qu'eux, ils ont tous ces machins-là. Alors, le champagne, je sais pas où le mettre encore. Concentré de raisin, on a des 8, on a des gros tonneaux. 4, c'est chaque fois je suis très très bon au niveau de la mémoire. Oui, c'est bien ça, c'est 8 briques et 4 tuyaux. Donc on va aller chercher 4 autres briques. Les prendre pour moins cher, c'est mieux quand même. Voilà, on est en train de mettre ça, 4 briques. Les tuyaux. Il y a des toyos ici. En plus, c'est chez nous. Voilà, ils sont peut-être pour moi. Ouais, ils ont pas forcément. Parce que sinon, je peux pas t'acheter de tuyaux en fait. Mais ça coûte 500 balles. Pas déconner non plus. On va aller chercher nos tuyaux ailleurs. Hein. Et toi, tu m'aimes pas trop mal, donc on va faire ça. Et puis c'est tout. Ouais, normal. Normal. Pas normal. Pas forcément, non. Mais je sais pas pourquoi ils sont partis là-bas. Quatre tuyaux. 4 tuyaux, mais non, parce que c'est la fin de l'épisode. On fera ça au prochain épisode. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ça vous plaît toujours, n'hésitez pas donc les commentaires, les petits pouces bleus, ça fait toujours énormément plaisir et ça aide beaucoup, et on se retrouve très rapidement pour la suite. Donc à dans 2 jours, en attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien, salut!